bien bonjour à tous, les amis, c'est votre jumper, l'aventurier. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi ça me fait nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, comme vous le voyez, on se retrouve une fois de plus sur mon radeau pour continuer notre aventure sur Raft en compagnie, les amis. Car vous le savez, je ne suis pas tout seul, on vient de l'entendre, de Serge. Bonjour Serge, comment vas-tu? Tu vas bien? Tu es en forme? Et oui, les amis, comme vous le savez, la fois dernière, on avait effectivement découvert, eh bien écoutez, le début de la nouvelle mise à jour de Raft qui ajoute tout simplement les animaux. Et comme vous le savez, on a effectivement, bah écoutez, réussi à attraper Serge. Voilà, hein, grâce hein, bien sûr à notre petit canon. Hein, voilà, il a fallu même croiser le fameux poisson globe hein, pour obtenir son venin qui nous a permis justement de faire tout ce qu'il fallait pour les crafts. Et les amis, aujourd'hui, nous allons repartir bien sûr sur les océans en direction bien sûr du nouvel île, car il paraît qu'il se cache des choses encore très mystérieuses que je n'aurais pas encore trouvées. Voilà. Et au passage, bien sûr, on fera en sorte, bien entendu, de s'occuper de notre petit lama. Hein, d'ailleurs, notre petit Serge. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entre vous qui étaient assez d'accord avec le nom que j'ai donné tout simplement, en fait, bah écoutez, à notre fameux Serge. Et d'ailleurs, est-ce que je peux le renommer? Oui, c'est bon, je peux le renommer. Regardez, voilà, ça y est, il a un nom. C'est génial, regardez, c'est marqué en dessous tout. Oh, c'est tellement excellent. Alors du coup, les amis, on a vu aussi également qu'il y avait de nombreux crafts qui ont été ajoutés, bien sûr, au jeu. Alors oui, hein, vous avez vu, j'ai de la viande de requin, c'est normal. Parce que hein, le requin de la fois dernière, je l'ai complètement pulvérisé. Voilà, j'en avais marre, il traînait autour de moi. Hein, c'était la catastrophe, il fallait que je m'en occupe, tu vois. Donc du coup, les amis, comme vous le savez, il nous reste encore pas mal de petites choses à fabriquer aujourd'hui, y compris bien sûr le sac à dos, y compris le casque en cuir, enfin vraiment pas mal de petites choses qu'on va pouvoir faire, et j'ai tellement et tellement hâte, les amis, de le faire avec vous. Alors justement, est-ce que j'avais récolté le cuir la fois dernière? Ah, oh, cette tête de poisson globe, il va falloir que je fasse des étagères justement pour ça. Alors il me semble, oui c'est bon. On avait le cuir qui était là parce que oui, le sac à dos, grosse nouveauté du jeu, quelque chose qui était d'ailleurs très très demandé, hein, on est d'accord, et il nous faudra aussi également de la laine, et bah ça tombe bien, parce que vu qu'on a notre lama maintenant et qu'on lui a mis un peu de l'herbe, forcément, regardez, sa laine, elle pousse, voilà. Donc du coup, alors, est-ce qu'on pourrait faire la cisaille? Il nous faut, alors, une charnière et un lingot de métal. Alors la charnière, c'est des trucs un peu rares quand même, mais on en a, heureusement. Lingot de métal... Ce que je n'ai. Alors bon, dans le doute, on va mettre ça au four parce que je vois que je n'ai pas de lingot de métal. Voilà, donc du coup, hop, c'est parti, ça part. Voilà, très bien. Ok, donc du coup, il va nous falloir faire ce petit, cette petite cisaille. Je crois que c'est long en plus à faire fondre ce lingot de métal. Oh, ça va être terrible. Ok, c'est bon les amis, regardez, on a un lingot de métal et ça y est les amis, on va pouvoir crafter la cisaille. Oh, sympa. Alors attention Serge, ne bouge pas, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh, je lui ai fait une petite beauté, tu vois. Oh, par contre, vous avez vu, voilà, ça nous donne une seule laine. Et bah, du coup, on va devoir l'utiliser pour apprendre tout ça. Oh, il y a même de la baume de guérison. Mais c'est excellent, ça. Je crois que je l'avais vu la fois dernière. Voilà, c'est bon. Ah, on est trop bien. Et bah, on apprend le sac à dos, on apprend tout, voilà. Alors, par contre, j'entends notre cher ami Maurice, le requin. Oh, il a eu le temps de dévorer mon truc. Très bien, ok, je note. Je note, Maurice. Je note, je reviendrai, Maurice. Je reviendrai. Alors bon, et ben les amis, ben vous savez quoi, on va en profiter. On va, alors eau fraîche requise. Ah oui, c'est vrai. On va tout simplement, et ben, relever l'ancre parce que on va avoir besoin, les amis, bien sûr, de découvrir une nouvelle île. Alors pour le coup, ce n'est pas des immenses îles que je cherche par rapport à la fois dernière. Et fort heureusement, bon, même si bon, après j'en trouve une, hein, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais voilà, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. On cherche des petites îles, car c'est sur des petites îles que je vais devoir trouver ce petit truc secret. Alors il y a un banc de sable, est-ce que ça passe? Ça a du mal à passer, mais ça va aller. Ça va se passer. Voilà, c'est bon, ça passe, nickel, voilà. Et du coup, comme je disais, ajouter aussi également des nouvelles étagères. Tellement il y a de trucs, c'est dingue. Oh là là, il y a tellement d'armoires à trophées quoi. Oh, je crois que j'avais armoire à trophées grande. Ah ouais, on a masse trucs. Alors bon, là ce qui est bien c'est qu'on est parti pour... alors là j'ai fait pousser de l'herbe, c'est nickel. On est parti du coup pour aller naviguer un petit peu. Du coup je vais pouvoir récupérer des ressources. Parce qu'il va me falloir bien sûr des planches. Hein, voilà, comme celle-ci. Alors des clous j'en avais encore. Donc ça, il n'y a pas trop de problème. Est-ce que j'ai des planches en rab ou pas? Je crois pas. Je crois que j'avais tout épuisé la fois dernière. On était vraiment limite limite. Hein. Alors la petite armoire à trophée, je l'avais pas fait. C'est quoi, on va faire un clou. Ouais, nickel. Alors du coup, tac, voilà. Ça ressemble à quoi? Oh, c'est tout petit, ouais. C'est vraiment tout petit. Oh. Alors est-ce que je peux mettre un truc dessus ou pas? J'ai un doute. Alors il me semble que... Bon, de toute façon, si je peux le... Voilà, je peux le poser. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Ah, c'est...
Pour changer le texte. Ah, c'est pour mettre des trucs. Oh, intéressant ça. Ah non, attends, peut-être que... Comment j'avais fait déjà? Ah, voilà, il fallait l'avoir dans la main. Ah, d'accord. Alors du coup, normalement, regardez, là, je peux mettre un poisson globe. Attends, est-ce que je peux mettre un poisson globe? Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus, sur un petit truc comme ça, là? Oh, regardez les amis, je pense que j'ai trouvé l'utilité, regardez. Du petit trophée, en fait, c'est pour mettre les petits poissons, regardez. Oh, c'est trop stylé. Bon, si j'avais un aquarium, croyez-moi que je l'aurais mis dedans. Mais bon, donc, du coup, alors, les amis, le poisson globe, on va pas pouvoir le mettre. Va savoir pourquoi, je pense qu'à mon avis, c'est pour sûrement être fait un peu plus grand. Donc, du coup, il va me falloir des clous. Voilà, encore un, voilà, nickel. Là, on a un autre trophée. Je pense que je vais... je pense qu'on mettra les trophées un peu plus grands comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Est-ce qu'on peut mettre cette fois-ci... Attends, le fameux au poisson globe. Ah, bah, what? Pourquoi il est... Comment ça se fait que c'est de côté comme ça, là? Qu'est-ce que c'est que ce bug? Qu'est-ce que c'est... Ah, voilà, ça m'a permis de le récupérer, au moins, c'est cool. Ah, pivoter. Nice! Ah, bah voilà! Tu vois, on peut le pivoter. Cool! Parfait. Bon, ça, c'est pareil, je vais le récupérer. Voilà, vous allez voir. On va faire ça proprement. Nickel. On va mettre ça... Voilà, comme ça. On va en faire un autre grand juste après. Du coup, ici, on va mettre... Voilà, le fameux... Ah bah attends, je peux en mettre plus que ça, maître. Même, je veux dire. Bah ouais, parce que... Le truc, c'est que j'ai le facochère, maintenant. Mais oui! Mais oui, on a le facochère! Du coup, ça va prendre masse place. Oh, le délire! Alors, attends, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et là, du coup, les amis, regardez. On peut mettre la fameuse tête du hurleur en question. Bon, je vais mettre le requin. Parce que le requin, c'était le premier que j'avais eu. Donc, du coup, je vais le mettre. Voilà, comme ça. Oh, il est tellement classe, c'est ouf. Du coup, vous savez quoi? Je vais agencer un petit peu tout ça maintenant qu'on sait. Regardez à quoi sert l'utilité de ces petites pancartes. Du coup, oui, j'ai toujours pas trouvé à peu près ce que je pourrais mettre au niveau de la taille pour écouter. Oui, j'ai vu, il y avait ça. Ouais, vous inquiétez pas, je vais essayer de passer dessus, mais à mon avis, ça va être mort. Mais j'allais dire pour Serge en question. Je sais pas pourquoi j'allais l'appeler José. Hein, voilà, ça lui irait bien aussi, tu vois, comme nom. Mais voilà. Mais du coup, donc il faudra que je l'agrandisse son enclos. Mais pour le moment, je vais le laisser comme ça. J'essaierai de voir un petit peu si je peux l'agrandir et surtout à quel endroit exactement je pourrais mettre notre ami Serge. Terre en vue, les amis. Terre en vue. Alors attendez. Hop, on va mettre la voile comme il se doit. Et d'ailleurs, pour que ça fasse un peu plus réaliste, regardez, on va faire ça. Regardez. Terre en vue. Voilà, donc oui, j'ai obtenu des petits trucs, décoration supplémentaire. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc les amis, c'est pas l'île, hein, comme je la cherchais, comme vous le savez, hein, qui était la fameuse grande île, hein, bien sûr, qu'on a là devant nous. Mais moi, c'est plutôt une petite île que je cherche. Mais bon, c'est pas grave, parce que je viens de voir que en fait, il nous faudra quand même retourner sur la grande île pour aller une fois de plus s'occuper du fameux... Facochère, hein, je vous rappelle, hein, qui nous donne du cuir parce qu'on n'aura pas assez de cuir pour faire le sac à dos. Je crois que le sac à dos, c'est vraiment le truc le plus cher à faire au niveau des nouveaux objets concernant la laine et le cuir. Donc, allez, on se rapproche. En plus, je l'ai vu le facochère, je le sais, il est là. Il est là, il m'attend. Ok, c'est bon, on va envoyer, hop, directement. Hop, on lâche tout. Allez, c'est parti, on lâche l'ancre. Allez, c'est parti, ok, très bien, nice. Ok, je suis au top du top, on va déposer le petit lingot, vas-y, je mets au pif. Ah bah tiens, c'est vrai, il y avait une chaussure ici, tiens. Ouais, j'ai beaucoup trop de trucs à décorer, tu vois, que j'ai obtenu avec la canne à pêche. Regardez, voilà, nos petites chaussures. Ah bah non, attends, j'ai une idée, quand on en aura deux, regarde, on va faire un truc propre. Allez, on va faire ça, voilà. Vous avez vu? Oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré, regardez les amis. Regardez, voilà, mes trophées. Voilà, donc c'est comme ça, j'aurais fait tous les trucs en question. Allez, c'est parti. Qui me voit pas, Bob. Et là-bas, il m'a pas vu, c'est parfait. Nickel, c'est parfait. Alors, j'ai refait une lance en métal, ne vous inquiétez pas. Ok, il est là. Oh, il m'attend direct, quoi. Il y a là, El Toro. Oh, t'as failli. Hein. El Toro. Oh là là. Tu arrives pas à m'avoir, c'est normal. Je suis beaucoup trop rapide pour toi. El Toro. Oh. Il m'a fait mal. Il m'a fait mal. J'ai vu, il y avait une chèvre. Il y a une chèvre. Oh, oh, oh non, non, on va arrêter de le coller comme ça, là. C'est pas. Mais non, mais arrête. C'est du cheat. Ok. Ok, en vrai il est pas tellement dur à éviter. Faut juste... Voilà, voilà, on l'a de face comme ça. Oh, un peu plus, il m'a rattrapé. Oh, il a failli tomber. Oh, j'ai plus de lance. Vite, on switch. Non, ça c'est des flashs. Oh. Oh là là. On est bon, mais c'est chaud. C'est chaud. Yes, c'est bon. Il est à moi, voilà. Comment c'est rapide le truc. Ok. Voilà, alors j'ai cru voir une chèvre. Il y avait une chèvre. Alors malheureusement, c'est vrai que comme je le disais, les munitions
pour attraper les animaux, c'est terrible, hein, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Donc hop, on va récupérer les petits fruits en question, voilà, nickel. La petite caisse qui fait plaisir avec des charnières, des substances visqueuses, enfin vraiment, c'est le top. Oh, il y a un lama! Ça se trouve, c'est un lama en fait que j'ai vu. C'est un lama? Attends, je sais pas si... Ouais, ouais, regardez comment il bouge, tu vois. Alors malheureusement, je crois qu'on peut pas lui couper sa laine. Donc, bah écoutez, c'est pas bien grave. Vu qu'on peut pas couper la laine, on récupérera la laine de notre lama. Oui, c'est vrai, on peut escalader comme ça. Oui, je vous l'avais pas dit. Bon, du coup, j'ai fait un petit peu le tour de l'île, les amis, pour récolter les nourritures. Alors, si jamais je trouve ce que je suis venu chercher sur les îles, dans ce cas-là, je vous le dis, mais à mon avis, j'en doute. Hein. Je vous rappelle que c'est uniquement sur les îles de taille moyenne. Non, non, les amis, j'ai toujours pas trouvé ce que je cherchais justement sur les îles. Mais vu que j'étais à un endroit très très haut, je voulais quand même vous montrer cette vue que j'avais. Regardez. Parce qu'on oublie souvent à quel point cet endroit est vraiment magnifique. Et regardez quand même la taille de mon radeau, quoi. Il est vraiment beau. Franchement, je suis content. Il est vraiment très beau. Et voilà, je vais vous montrer ça quand même. Parce que bon, ah, on avance vite. On trouve les trucs. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent ce qu'il y a autour de nous. Voilà, donc du coup, bah, les amis, on va repartir, je pense. Parce que j'ai rien trouvé de très intéressant. Mis à part... Oh, Bob! Oh, Bob, tu vas payer. Tu vas payer pour ça, Bob. Bon, je vais arriver un peu en retard. Mais bon, du coup, je vais lever l'ancre et j'espère trouver ce que je cherche depuis le début, les amis. Ok, les amis, c'est bon, je suis de retour sur mon radeau. Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, je suis pas parti, hein. Voilà, je suis toujours resté. Et les amis, donc, je voulais vous dire que, effectivement, je n'ai malheureusement pas pu trouver l'île en question. Alors, il faut savoir que là, vous en rendez peut-être pas compte avec le montage, mais les amis, ça fait déjà plus de une journée réelle que je joue au jeu non-stop et je n'ai toujours pas trouvé cette île. Alors, est-ce qu'ils l'ont enlevée ou pas? Bon, à mon avis, ça m'étonnerait. C'est juste que, effectivement, j'avais cru voir sur les forums de Raph qu'elle est très très rare à trouver, hein. Il faut savoir que c'est limite si c'est une personne sur 4 qui a pu la trouver. Et les amis, je vous montrerai bien sûr un petit extrait pour vous montrer quand même cette île, parce que bon, c'est vrai que on était un petit peu là pour ça à la base, mais voilà, au moins on aura pu voir un petit peu qu'effectivement il est possible de trouver cette île qui contient tout simplement en fait un avion crashé, voilà, directement. Donc on ne peut pas vraiment interagir avec l'avion, hein, du moins pas à ce que je sais au niveau des informations. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement il est possible de croiser cette île avec cet avion. Alors, est-ce que c'est un easter egg pour le futur? Est-ce que on pourra, dans des prochaines mises à jour, le réparer ou autre? Je ne sais pas, ou même, j'ai envie de dire, récupérer des pièces de moteur à voir dans le futur du jeu. Voilà. Alors, du coup, effectivement, vu que moi, ça fait très longtemps que je joue au jeu, déjà d'une. C'est réaliste, hein, je vous jure que c'est vrai. Je suis malade, en vrai. Hein, ça se voit, hein, voilà. Donc, veuillez m'excuser, mais voilà. Voilà, ça fait au moins une journée que j'ai joué au jeu. Tu vois, le mec, il en est rendu malade. Non, je déconne pas à ce point-là, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, du coup, les amis, on va quand même voir un autre petit bonus, un autre petit truc en bonus, parce que bon, ça serait dommage, je vais pas le tirer là-dessus. Bon, tu me diras, on a quand même vu pas mal de trucs. Déjà, on est retourné sur la grande île, on a tout simplement découvert les trophées, et je les ai absolument tous, mais surtout, regardez les amis, j'ai maintenant la marmite. Oui, j'ai vu le truc là-bas, vous inquiétez pas, mais on va pas y aller, ça ne m'intéresse pas. Alors du coup, j'ai la marmite, voilà, ça fait partie également des nouveautés du jeu. Et est-ce que je peux voir, on n'a pas beaucoup de place pour la mettre, cette marmite. Donc du coup, je vais la mettre, on va la mettre, je pense... ici, voilà, ça sera parfait. Oh, nice. Mais oh, c'est super grand en fait. Et regardez les amis, je peux aussi faire le sac à dos maintenant. Voilà, on aura vraiment vu quasiment et tous les trucs de la mise à jour. Voilà, oh, le sac à dos. Oh, nice, ça ajoute une ligne de plus. Oh, mais c'est énorme. Et aussi, en plus de ça, les amis, je voulais voir avec vous, il y a une nouveauté, c'est que regardez, on peut se mettre à la troisième personne. Voilà, on peut voir notre joli petit personnage, voilà, avec le sac à dos et tout, c'est génial. Et du coup, ça veut dire que, attends, je peux mettre la tête et tout, et là, je la verrai normalement. Attends, comment que ça se passe? Est-ce que je l'ai sur moi ou pas là? Ah ah ah! Ah oui, pas mal! Pas mal du tout! Jolie tête! Voilà, donc vous pouvez voir qu'effectivement maintenant on peut se voir à la troisième personne, c'est plutôt cool, vraiment, pour voir un petit peu comment dire, à quoi on ressemble avec tel truc sur notre tête ou autre, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et on peut voir surtout le sac à dos, c'est vachement cool. Alors du coup, pour cette marmite, comment ça fonctionne? Alors attends, donc j'ai des plans, est-ce qu'il faut les mettre? C'est quoi ça? Attends, on a ragoût de poisson, c'est simple, ok, alors je peux la mettre? Oh, d'accord! Ah ouais! Ah ouais, ah ouais, c'est génial! Alors, ça, par contre, je sais pas si je peux. Oh, on peut les mettre et tout! C'est génial! Regardez, on peut les poser dessus! Mais c'est excellent! Ah, nice! Alors là, ça, je peux le faire. Ok, alors attendez. Il me faudrait des pommes de terre et des radis. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas? Ouh, il va falloir en trouver. Il va falloir en trouver, parce que là, j'ai des pommes de terre, mais. Ouais, elles sont pas terribles, quoi.
sont vraiment, vraiment pas terribles. Est-ce que j'ai des radis? Alors, normalement, avec toutes les caisses qu'il y a dans le coin, comme vous pouvez le voir, il y a... Alors, attends, viens là, toi. Ok, pas de radis. Enfin, c'est pas des radis, c'est des betteraves, autant pour moi. Oh, c'est tellement plus cool d'avoir un sac à dos. Parce qu'on pourrait... Oh, il y a masse caisse, là. Oh, oui. C'est bon, ok, il faudrait que je fasse pousser ça. Comme ça. Oh là là, il y a trop de trucs. Regardez, il y a trop de trucs. Ouais, je vais looter. Bah oui, c'était sûr que j'allais looter des trucs. Oh, yes, c'est ce qu'il faut. Oh, et la musique, celle-là, je l'avais jamais entendue, tiens, pour le coup. Alors, on va mettre ça là-dedans. Voilà, nickel. Et bah, vous savez quoi, je vais laisser pousser ces petites betteraves. Voilà, et du coup, voilà, on va mettre de l'eau directement. Et une fois que ça aura bien poussé, et bah, les amis, on va pouvoir commencer notre petite cuisson, notre petite recette. Ok, les amis, regardez, le jour se lève. Et en plus de ça, regardez, il y a une île. C'est une île exactement comme ça où normalement il y a un avion dessus. Oh, est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? Bon, on verra bien. Bon, à mon avis, avec le karma qu'on a, ça m'étonnerait. Alors, du coup, donc, comme vous le voyez, il nous faut alors des petits poissons et tout. Donc, nickel. Alors, j'ai pas mal de choses. Hein, ça tombe bien. Alors, est-ce que j'ai des betteraves? Les betteraves, il m'en faut deux, normalement, je crois. Alors, je sais pas du tout comment ça va marcher. Attends, je regarde s'il n'y a pas l'avion. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir l'avion. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais on va quand même. On va quand même mettre l'encre. Alors, du coup, comment ça fonctionne? Faut mettre dedans? Comment tu fais? Attends. Est-ce qu'il est faux? Ah oui, placer betterave. Ok, ensuite il faut... Ah, il faut la pomme de terre. Je crois que c'est ça. Ok, alors attendez, je regarde l'île. Il n'y a pas l'air d'avoir d'avion dessus. Je ne crois pas, attendez, on va monter directement par-dessus. Mais ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait, mais en gros c'est ce genre d'île qu'il faut trouver. C'est ce genre d'île. Ah non, il n'y a pas d'avion dessus. Ah, dommage. On a la cabane, mais on n'a pas l'avion. Voilà, ouais, je vois rien récolter. Ah, j'ai déjà assez de trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, bon. Ok, bah au moins vous aurez vu un petit peu l'île à quoi ça ressemblait. Ok, donc du coup, alors, normalement, il me faut, les amis, du coup, alors, un poisson comme ça. Mais c'est génial. Alors, je sais pas comment, si c'est bon ce que je suis en train de faire ou pas. C'est bon? C'est comme ça que ça se passe? Récupérer betterave. Est-ce qu'il faut que ça se précue ou pas? Alors, attendez, je vais regarder parce que j'ai l'impression que je me trompe. Non, bah j'ai oublié de placer les planches. Bah oui, forcément. Ça ne pouvait pas marcher. Attends, est-ce que je peux le mettre? Ah, cuisiner. Mais oui, d'accord, c'est ça. Ok. Oh, génial. Ok, et là, c'est en train de se préparer. On va voir un petit peu. C'est excellent. C'est excellent. Ok, ça prend un peu de temps. Bon, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. J'ai assez de planches. Ouais, enfin, de toute façon, niveau planches, là, on est tranquille. Hein. C'est vraiment pratique, quand même, ce sac à dos. Vraiment, vraiment pratique. Alors, à mon avis, il me semble qu'une recette... Donc un ragoût en question, en fait, si vous voulez, ça redonne toute la barre de bouffe, il me semble. C'est abusé, c'est plus abusé que la viande de requin, honnêtement. Donc si vous avez l'occasion de le faire, ça prend un peu de temps à faire en tout cas. Mais bon, hein, ça va être délicieux ce petit ragoût. C'est moi qui vous le dis. Est-ce que ça cuit? Ouais, ça cuit toujours. Ouah, c'est long à se préparer. À mon avis, c'est aussi long que faire cuire un truc directement sur le grill. On est d'accord. Et là, du coup, l'autre, c'était quoi? Délice de poisson-chat. Oh, ah oui, mais le poisson chat il est tellement dur à obtenir. Et en plus là il faut des champignons. Champignons qu'on peut obtenir uniquement sur les immenses îles. Hop, c'est bon, j'ai vu la caisse. Eh ouais, attends, eh, moi si je peux la récupérer, je la récupère. Voilà. Ok, c'est en train de cuire. Allons les amis, faut être patient. Regardez, je vais remettre une petite planche. Voilà, c'est good. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose en vue? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Très bien. Bah écoute, je pense qu'il faut attendre. Non mais je check quand même au cas où c'est genre c'est beaucoup trop cuit ou un truc comme ça, mais à mon avis ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que faut juste attendre. Ah, c'est bon. Comment ça marche? Il me faut un bol, je pense. Est-ce que j'ai un bol? J'ai un seau. Alors est-ce que il faut un bol, un truc comme ça ou pas? Il me semble que... Alors attendez, j'ai pas vu si dans le livre. Oui, bol en argile. Exact. J'en étais sûr. Bon, de l'argile, j'en ai en masse. Ça tombe bien. Tac. Hop. Super. Voilà. Et ça, je pourrais la prendre aussi, là. La baume de guérison. La baume de guérison qui est vraiment, du coup, facile à obtenir parce qu'il faut simplement juste un œuf. Alors, par contre, l'œuf... Oh, c'est pas bon. Oh, là, c'est bon. En plus, je me faisais bouffer, voilà. Bon, du coup, alors, on verra pour la baume de guérison plus tard. Ah, bah, c'est bon, regardez, elle est partie couver le truc. Ok. Et là, du coup, normalement, je peux le faire... Et le bol, ah, ça se fait ici, ok. Oh, ça en fait masse, à mon avis, ça les utilise. Faire un petit peu. Ah. Alors ça, c'était, à mon avis, voilà, pas le délire. Voilà. Oh, ça remplit le bol. Alors, attendez, vous avez... Oh, stylé, regardez.
Trop stylé. Alors regardez ma barre de bouffe et ma barre de soif. Alors, attention. Ah, pas mal. Ah, on m'avait dit que c'est ça remplissait entièrement la barre de bouffe, mais c'est faux. Mais par contre, vous avez vu, regardez, ça donne, j'ai l'impression, une barre supplémentaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Attendez, on va mettre ça sur le feu. Voilà, et ça pareil. Ah, ça c'est beaucoup trop gros. Regardez, en fait, j'ai l'impression que ça donne une barre de plus. Mais c'est génial. Ça veut dire qu'à mon avis, on va pouvoir... En fait, c'est comme si on avait une armure, quoi. Enfin, il me semble. Ah, c'est excellent. Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et bah voilà, on aura découvert également, les amis, la marmite. Et bah écoutez, et bah les amis, dans tous les cas, on va du coup s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour cette deuxième partie de Raft où j'étais un peu malade là, ça soit. Je parle du nez, tu vois, c'est la cause des courants d'air. Mais comme je vous le dis, vraiment, hein, ça m'a pris tellement de temps à tourner cet épisode. Donc j'espère vraiment que vous avez complètement kiffé, même si bon, on n'a pas trouvé l'île, mais que je vous montrerai bien sûr un extrait, hein, bien sûr. Ah, ça équivaut un petit peu au même. Mais parce que réellement, j'ai vraiment cherché pendant une journée à un point où j'ai attendu le lendemain tellement bah, j'avais plus de temps dans la journée hein, pour tourner. Effectivement, j'étais le lendemain, donc là actuellement malade. Voilà, donc vous m'excuserez, mais en tout cas, merci beaucoup les amis de m'avoir suivi sur ce nouvel épisode de Raft. On aura vu énormément de nouveautés. Je crois qu'on a vraiment étudié de fond en comble la mise à jour. Bon, il reste encore bien sûr quelques petites choses, comme par exemple ceci. Voilà, qui sont tout simplement, bah écoutez, la partie armure hein, qu'on n'avait pas encore dans le jeu. Bon, là, pour le coup, on pourra pas la faire parce qu'on n'a pas assez de cuir. Mais bon, vous voyez un petit peu le délire. Mais j'aurais au moins eu le sac à dos. C'est vraiment la chose que je jouais le plus et c'était le plus cher au niveau du craft. En tout cas, merci à tous, les amis, de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo sur Raft de Fury Jumper Malade vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Je vous en remercie grandement. Ainsi que vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et je vous dis du coup, à très bientôt, les amis, peut-être pour un nouvel épisode sur Raft. Ciao, les amis.